de s'installer. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame et Monsieur les députés, Messieurs les sénateurs, Monsieur le représentant du Parlement européen, Monsieur le Président du gouvernement, Messieurs les présidents d'assemblées de province, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Mesdames et Messieurs les membres des assemblées de province, Mesdames et Messieurs les maires de Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Sénat, c'est un grand honneur de vous souhaiter, au nom de tous mes collègues, la bienvenue au sein du Congrès, la première assemblée de Nouvelle-Calédonie. Nous savons qu'en permanence, Dick Ukewe, puis Simon Louécott, Hilarion Rendez-Goût et Pierre Frogier enfin, ont nourri votre information sur le sujet sensible de notre territoire. Pourtant, il est toujours mieux de se rendre soi-même sur place, même pour une courte durée, afin de ressentir personnellement la réalité calédonienne. C'est l'occasion de nombreuses rencontres politiques, économiques, mais surtout humaines, qui permettent de mieux comprendre le contexte et les enjeux calédoniens. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui est l'invention d'un nouveau cadre institutionnel, juridique et politique de notre Constitution. Cette formidable évolution a été rendue possible grâce au génie de la France et à sa volonté de créer des liens rénovés et modernes avec notre territoire alors meurtri par un conflit fratricide. Nous arrivons maintenant au terme de l'accord de Nouméa et il nous reste à préparer les échéances prévues pour décider de notre destin. Monsieur le Président, vous avez récemment pris l'initiative de créer un groupe de contact sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie que vous avez choisi de présider, afin d'être informé de façon précise et régulière de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Votre présence aujourd'hui parmi nous confirme l'intérêt que vous portez à l'outre-mer en général et à la Nouvelle-Calédonie en particulier. Puisse l'Assemblée des Sages, sous votre haute autorité, nous aider à trouver les voies les meilleures pour préparer le plus sereinement possible notre avenir institutionnel. Merci de votre attention. Vous avez parlé, monsieur le Président. Je peux peut-être les faire asseoir, monsieur. Asseyez-vous. Hier, je viens de marquer un point, moi. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame et Monsieur les députés au Parlement national et européen, mes chers collègues sénateurs, Pierre Frogier et Hilarion Rendez-Goût, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives de ce territoire, élus maires, représentants consulaires, représentants de la vie économique, représentants de la vie militaire et administrative, mon général, représentants aussi de ce qui incarne les valeurs de la République au travers de la justice et de l'administration, c'est aussi un point très important. Messieurs les représentants des forces spirituelles, mesdames et messieurs, oui, je suis à la fois honoré et ému de m'exprimer devant vous dans cet hémicycle du Congrès, symbole, monsieur le Président, d'une organisation institutionnelle inédite au sein de la République française. J'ai plaisir à y retrouver parmi l'ensemble des membres, les présidents
et demain je verrai le président de la troisième province, des provinces, les responsables des grandes familles politiques calédoniennes. Votre Assemblée constitue, au-delà de son rôle institutionnel, un forum où vont se nouer beaucoup des échanges clés des mois à venir. Élu au Sénat, vous l'avez évoqué, en 1986, j'ai eu la chance, dès mon arrivée, d'apprendre à mieux connaître la Nouvelle-Calédonie, à mesurer la complexité de ses enjeux, à appréhender ses aspirations identitaires, mais aussi son attachement aux valeurs fondatrices de notre République, grâce à la connaissance approfondie de quelques grands référents de notre commission des lois, toutes sensibilités politiques confondues, et aux interventions empreintes de sincérité, de simplicité et de charisme du sénateur Dick Oukéoué. À son contact et au contact d'autres collègues, comme Simon Louis Côte et aujourd'hui Pierre Frogier et Hilarion Vandégout, j'ai pu mesurer la force de la volonté des Calédoniens d'aller vers un destin commun. Mes rencontres avec les élus et responsables de toute sensibilité, depuis mon élection de novembre 2014, notamment avant et après les réunions des comités des signataires, m'ont éclairé. Nos assemblées délibérantes, Sénat, Assemblée nationale et Congrès, ont pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de ceux qui l'habitent d'éminentes responsabilités communes et partagées. Pour ce qui vous concerne, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de terminer la mise en œuvre des différents volets des accords de Nouméa, notamment par le vote de loi du pays. L'exercice de ce pouvoir législatif délégué est l'une des particularités essentielles du processus engagé il y a bientôt 18 ans. Pour le Sénat, il s'agit de contribuer dans son activité de contrôle du gouvernement, autant que dans son activité législative, aux ultimes décisions nationales nécessaires à la réalisation des engagements pris notamment par l'État depuis 1998. Je suis heureux, Monsieur le Président, que nos assemblées aient signé il y a 2 ans, c'était sous la présidence de Jean-Pierre Bel, 2 ans presque jour pour jour, c'était le 20 février 2014, sur le fondement de la disposition de l'accord de Nouméa, prévoyant l'aide de l'État, une convention de partenariat vivante. Nos assemblées organisent ainsi des partages d'expériences, et le Sénat contribue, notamment en matière de formation, au perfectionnement du fonctionnement des services du Congrès. Je continuerai à veiller à l'application volontariste de cette convention, soyez-en assurés. Mais au-delà de ces relations institutionnelles, dont je tenais à souligner l'importance en préambule de mon intervention, c'est bien l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui motive ma visite et sur lequel je tiens à m'exprimer devant vous au matin de mon arrivée. La Nouvelle-Calédonie a accompli, nous en avons tous conscience, un immense chemin depuis les événements dramatiques qui l'avaient mené au bord du gouffre. C'était il y a 28 ans. L'immensité du travail accompli tient d'abord au contraste saisissant entre les affrontements de cette période noire, qui aurait pu susciter des divisions irrémédiables, et la capacité des responsables calédoniens de toutes appartenances et convictions à œuvrer à la définition d'un destin partagé. Cela a nécessité de la part de ceux qui ont scellé les accords fondateurs, ceux de Matignon et Oudinot, quelques semaines à peine après les effroyables drames d'Ouvéa, un courage, une lucidité et une volonté politique hors du commun. Ces hommes et leur force de caractère resteront pour longtemps dans l'histoire, celle de leur terre calédonienne, celle de la France. Je le dis sans emphase excessive, comme une attitude exemplaire dans l'histoire universelle. Certains l'ont payé de leur vie. Je pense bien sûr à Jean-Marie Tjibaou, à Yewene Yewene. Je ne peux m'empêcher à cet instant d'avoir une pensée pour eux, une pensée respectueuse, en m'exprimant devant vous. Le courage et la volonté de Jacques Lafleur ont été identiques. Et s'il n'a pas connu leur destin cruel, il a dû payer, comme ceux qui ont continué son œuvre de réconciliation, un lourd tribut politique. L'immensité du travail accompli tient ensuite au progrès et au rééquilibrage économique qui se sont opérés en l'espace d'une génération.
Cet espace temporel n'est pas suffisant, bien entendu, pour corriger totalement les insuffisances et les inégalités de développement héritées d'une période coloniale et post-coloniale, sur laquelle le préambule de l'accord de Nouméa, et c'est le texte que j'ai devant moi, oui, dans lequel le préambule de l'accord de Nouméa a rejeté un regard lucide. Mais quelle transformation ! Quelle réussite objective ! La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui est une Calédonie nouvelle, profondément transformée et équilibrée dans ses infrastructures, ses équipements productifs, culturels, scolaires et sociaux. Oh, je ne minimise pas ce qui reste à faire sur ce chemin, mais il faut saluer les résultats de tous ceux qui ont œuvré au sein des institutions calédoniennes, des trois provinces, des communes qu'il ne faut pas oublier, et de l'État qui a honoré ses engagements dans la durée et dans ses diverses majorités. Ce travail, ces progrès, nous pouvons tous ensemble en être fiers, mais il nous oblige, oui, il nous oblige pour la suite, car il reste à faire, il reste beaucoup à faire. La génération des responsables que vous êtes doit relever d'aussi lourds défis que celle qui l'a précédée. Si je tiens à évoquer ces défis par devoir de lucidité, c'est pour souligner ma conviction profonde que nous pouvons tous ensemble les relever. Oui, tous ensemble les relever, ces défis. Mais il me paraît qu'il y a des conditions. Le premier défi est de surmonter la disparition de beaucoup des acteurs de premier plan qui ont incarné la culture du dialogue et le renouveau calédonien. J'évoquais Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, mais également des personnalités aussi marquantes que Raphaël Pidgeot, Jacques Ekawe ou le grand chef Naïs Lynn, dont nous avons appris le décès 48 heures avant la réunion du comité des signataires, c'était en juin dernier. Je pense aussi à mon regretté collègue Guy Kokawe, qui avait su incarner en Calédonie comme au Sénat les valeurs kanak et les valeurs de la République. Ces hommes, dans leur diversité, ont insufflé à la Nouvelle-Calédonie ce dont elle avait le plus besoin, me semble-t-il, il y a trois décennies, une espérance. Une espérance qui n'était pas une chimère, mais une réalité fondée sur une volonté politique partagée et sur la puissance extraordinaire que donne la capacité à faire prévaloir ce qui unit sur ce qui divise. Ils ont porté cette espérance en dépit de tous les obstacles et ils l'ont traduite en outils politiques et économiques de grande efficacité. La génération que vous incarnez doit aux Calédoniens d'être à leur hauteur et de prolonger leur réussite. En ces temps d'incertitude, mais aussi de choix pour la Nouvelle-Calédonie, comme pour la France, empruntons les voies des hauteurs, c'est moins encombré, comme le disait le général de Gaulle. Le deuxième défi est bien sûr celui de conduire la sortie des accords qui sont succédés depuis 1988. C'est une lourde responsabilité qui ne peut être éludée. Les signataires des accords de Nouméa ont voulu l'inscription dans la Constitution et dans la loi organique statutaire d'une consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie sur l'accession à la pleine souveraineté. Cette échéance, dont vous partagez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, le déclenchement avec l'État, ne pourra pas dépasser le terme des 20 années suivant les accords signés en 1998. C'est-à-dire qu'il reste au fond peu de temps. Et je sais combien ce terme vous préoccupe, car il pourrait faire planer le risque de nouvelles fractures. Les réflexions se sont intensifiées depuis 2 ans, entre responsables politiques et autour des analyses des experts désignés par l'État. Tous ces travaux éclairent de façon très utile les choix qui seront à faire, et il faut remercier tous ceux qui ont contribué. Mais je pense, comme beaucoup d'entre vous, que le temps des experts doit être dépassé, et qu'il faut entrer résolument dans une phase d'échange approfondi entre responsables politiques en lien avec toute la société de Nouvelle-Calédonie. C'est l'orientation qui a été prise lors du récent comité des signataires des accords, et je m'en réjouis. Comme je m'en réjouis qu'un accord politique
ait été trouvé sur la question du corps électoral. L'enjeu politique me paraît devoir être celui de mobiliser le plus grand nombre des Calédoniens concernés. Il est de la plus haute importance que la consultation qui interviendra, quel qu'en soit l'objet précis, mobilise une grande majorité des électeurs concernés. Depuis les accords de Matignon, les Calédoniens et l'État ont refusé que les visions divergentes de l'avenir se règlent par une partition géographique ou ethnique. Ils ont fait le choix d'une communauté de destin. Ce choix n'a jamais été remis en cause et il correspond d'ailleurs à une aspiration bien plus ancienne. Souvenons-nous que dès sa création, le mouvement d'union calédonienne s'était donné pour devise deux couleurs, un seul peuple. Un des miracles des accords de Matignon, pour reprendre une formule de Jacques Lafleur, a été de partager le pouvoir entre les uns et les autres par la création des provinces. Mais l'unité du peuple calédonien a prévalu et s'incarne dans la citoyenneté inscrite dans la loi organique du 19 mars 1999 que j'ai votée. Cet acquis de l'unité doit être l'un des fondements de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Quelles que soient les orientations choisies, les Calédoniens resteront forts s'ils sont unis dans leur diversité. Ils seront faibles s'ils se divisent. Je sais les débats qui vous animent à l'approche de cette échéance de la consultation. Je ne peux ni ne veux aujourd'hui à cette tribune, dans mes fonctions de président du Sénat, vous faire part de sentiments personnels. Même si, sur ce point, le gaulliste que je suis souhaite ardemment que la Nouvelle-Calédonie et la France continuent à porter ensemble les valeurs politiques et humanistes que nous avons en partage. Mais cela devra se faire sous la forme que choisiront les Calédoniens qui s'exprimeront. J'ai respect et considération pour toutes les visions de l'avenir calédonien que portent les mouvements politiques représentés en votre sein. La seule recommandation que je me permets de faire à l'ensemble des responsables en charge de ce processus est d'appréhender comme il convient la notion de souveraineté. En avoir une conception trop juridique ou trop doctrinale est pour moi, me semble-t-il, une erreur. Il n'existe dans notre monde aujourd'hui que des souverainetés partagées. Des indépendances dans l'interdépendance. Toute souveraineté politique, aussi puissant soit l'État qui l'exerce, se heurte à de fortes contraintes exogènes. Est-on souverain en matière de développement économique lorsque ses poumons industriels ou de recherche sont animés par des puissances financières lointaines et non maîtrisables? Point d'interrogation. Est-ce qu'on est souverain sur sa zone économique maritime lorsqu'on est dans l'incapacité matérielle d'en assurer le contrôle? A-t-on la maîtrise de la progression du niveau de vie de ces populations lorsque des mouvements monétaires peuvent annihiler vos politiques? Voilà trois de mes interrogations. Comprenez-moi bien, ces questions que beaucoup d'entre vous se posent, je le sais, ne signifient pas que la notion de souveraineté n'a plus de sens. Et pour un gaulliste, vous avouerez que c'est une vraie question. Elle signifie que la notion de souveraineté doit être comprise en tenant compte de ces réalités. Le nier serait se tromper et tromper les populations concernées. Comme tous les peuples du monde d'aujourd'hui, les Calédoniens ont fait le choix de leurs interdépendances. Ce n'est pas un choix de second ordre. C'est peut-être même un choix plus difficile car il n'est pas binaire. Il nécessite une construction politique imaginative et volontariste. Et c'est aussi un défi. Je l'évoquais jeudi avec le président du Bundesrat, du Sénat d'Allemagne. C'est aussi le défi que nous avons à relever dans les mois qui viennent pour l'Union européenne. Cette construction politique doit aussi reposer sur une vision de la Calédonie dans le grand bassin pacifique du XXIe siècle. Nous avons tendance à nous focaliser sur les seules relations France-Nouvelle-Calédonie, alors que l'avenir s'inscrira pour beaucoup dans les relations qui se nouent entre les différents mondes du Pacifique. Les puissances chinoises, japonaises, coréennes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'arc mélanésien et les archipels polynésiens.
qu'il s'agisse d'échanges économiques, de gestion des ressources naturelles, de préservation des cultures et des modes de vie traditionnels ou de gouvernance politique. Les communautés francophones du Pacifique Sud, calédoniennes, polynésiennes, wallisiennes et futuniennes, ont un rôle à jouer. C'est à elles de le définir avec l'appui, bien sûr, de la France, mais selon les axes qu'elles privilégieront, que vous privilégierez. C'est à mes yeux l'un des enjeux de la période de sortie des accords de Nouméa. Je m'étendrai peu sur les deux derniers défis à relever, car vous les connaissez beaucoup mieux que moi, mais comment ne pas les mentionner ? Les très graves difficultés que traverse le secteur du nickel, pour une période incertaine, menacent en premier lieu la prospérité calédonienne. C'est notre capacité à poursuivre le rééquilibrage, mais aussi à maintenir le niveau de vie général qui est ainsi fragilisé. Le ralentissement probablement durable de l'économie asiatique, dont ce secteur dépend pour beaucoup, change la donne cyclique à laquelle nous nous étions habitués depuis de nombreuses années. D'importantes décisions stratégiques seront à prendre en lien avec l'État, monsieur le commissaire, qui conserve une part de responsabilité, mais en sachant que des leviers de décision appartiennent aussi à des centres de décision qui nous échappent. Je les évoquais il y a un instant. Le dernier comité des signataires a rappelé le caractère indissociable des enjeux relatifs à l'avenir institutionnel et à l'avenir de ce secteur économique vital. C'est, me semble-t-il, un acte de très grande lucidité. En second lieu, une partie trop importante de la jeunesse calédonienne peine à trouver sa place entre un mode de vie coutumier dont elle s'éloigne et un monde du travail et une société urbaine dont elle a le sentiment qu'il la marginalise. Pour le ministre du Travail que j'ai été, le chômage des jeunes, leur formation, demeurent des préoccupations cardinales. Les fléaux habituels en pareil contexte, drogue, violence, alcool, sont des signaux très préoccupants des menaces de fracturation de la société, qu'elle soit calédonienne ou métropolitaine. Les réflexions sur l'avenir partagé devront aussi intégrer cette dimension de cohésion sociale. L'État devra, avec vous, prolonger et amplifier les dispositifs de formation. Nous les avons évoqués ce matin. Je pense aussi aux services militaires adaptés et au programme Cadre Avenir. Face à ces défis, qui doivent être pris à leur juste mesure, je veux vous dire ma conviction. Vous devez les surmonter. Mais il me semble qu'il y a deux conditions. Il faut faire prévaloir l'esprit d'unité et de dialogue sur les divisions et les suspicions. Il faut que chacun des trois partenaires engage toute son énergie à atteindre cet objectif. Le dialogue est la recherche des convergences et ce qui conduit la Calédonie depuis plus d'un quart de siècle. C'est en prolongeant cette dynamique que nous définirons l'avenir partagé. C'est aussi génétiquement la démarche du Sénat, dont je dois dire que le mot sénesse n'est pas l'âge, mais la sagesse. Et que le pas du sénateur dont parle le fabuliste La Fontaine n'est pas lié à l'âge des sénateurs, mais au parallélisme avec le sénateur romain, car le pas du sénateur incarnait la paix, le pas du légionnaire, beaucoup plus accéléré, incarnait la guerre. Mettons nos pas dans les pas de sénateurs, car ils incarnent la paix, la sérénité, la convergence qui conduit vers la nécessaire unité. Là, je suis sorti de mon texte, mais je dois vous dire que j'y tenais particulièrement. Oui, c'est en prolongeant cette dynamique que nous définirons l'avenir partagé. Je dis nous, car je m'applique à un double titre. En ma qualité de responsable politique national, un peu paradoxal, je tiens à ce que l'État tienne toute la place qui est la sienne dans cette phase clé de l'histoire calédonienne. L'État ne peut pas s'abriter derrière une position d'arbitre. Il n'est pas juge, il est acteur. Ces mots ne sont pas de moi. Ce sont les mots de Jean-Marie Tjibaou dans une lettre qu'il a écrite à Michel Rocard, Premier ministre.
C'était le 25 juin 1988, au cœur des négociations des accords de Matignon. La teneur de cette lettre a été révélée bien plus tard, c'était en mai 2008, au Sénat, lors d'un colloque qui marquait les 20 ans de cet accord. Et comment ne pas vous dire qu'il y a quelques jours, je me suis entretenu avec Michel Rocard pour qu'il m'éclaire. Ces mots de Jean-Marie Tjibaou demeurent aussi vrais. L'État vous doit une participation active, non pas pour faire prévaloir ses intérêts, quels seraient-ils d'ailleurs, mais pour aider ses partenaires, oui, vous, partenaires calédoniens, faire leurs choix et les mettre en œuvre. Il m'est arrivé ces dernières années de trouver que l'État s'était trop mis en retrait. Le Sénat veillera à ce qu'il reprenne toute sa place. Et je suis satisfait que le Premier ministre vienne prochainement à votre rencontre. Je lui ferai d'ailleurs, à mon retour, part des enseignements que j'aurai tirés de cette visite qui commence. Les Calédoniens ne doivent pas craindre non plus que l'échéance présidentielle de 2017, située à mi-parcours de la période de sortie des accords de Nouméa, fasse peser des incertitudes sur l'issue des discussions entre les signataires des accords. Les choix que feront les Calédoniens avec l'appui de l'État seront respectés par tous les responsables nationaux. Il ne peut en être autrement. La Nouvelle-Calédonie ne doit en aucune façon redevenir un enjeu de politique nationale partisane, et j'y veillerai personnellement comme président du Sénat. En ma qualité de président du Sénat, je suis convaincu que l'Assemblée parlementaire que j'ai l'honneur de présider, avec mes deux collègues sénateurs qui représentent la Nouvelle-Calédonie, pourra apporter une contribution utile à l'élaboration du projet d'avenir commun. La culture du dialogue et de recherche des convergences, oui, est au cœur de notre sagesse. Elle sera mise à profit autant que nécessaire pour faciliter l'aboutissement du processus. C'est ce qui m'a conduit à créer en octobre dernier un groupe de contact comprenant 17 sénateurs désignés de manière à assurer la représentation de tous les groupes politiques de la Haute Assemblée. Et j'ai tenu à le présider personnellement. Il permettra au Sénat de suivre attentivement les différentes phases des travaux et d'y apporter toutes les contributions pertinentes. Plusieurs missions sénatoriales ont enrichi notre réflexion ces dernières années et éclairé nos débats. Et le 25 juin dernier, le Sénat a d'ailleurs organisé une conférence économique consacrée au bassin du Pacifique. Ce suivi sera renforcé autant que nécessaire et vous trouverez en permanence au sein de notre Haute Assemblée l'écoute, l'appui, les conseils, mais pour reprendre une formule de la charte coutumière, le respect et l'humilité avec l'exigence du Sénat aux côtés de la Nouvelle-Calédonie et de tous les Calédoniens. Alors, mes chers collègues, mesdames et messieurs, on dit trop souvent que les responsables politiques manquent de volonté ou de vision stratégique. On dit trop souvent aussi qu'ils n'ont plus le pouvoir d'infléchir le destin de leur nation. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, depuis 28 ans, apporte les preuves contraires. Alors que tant d'épreuves et de divergences auraient pu conduire à des blocages, le pouvoir du volontarisme politique a été démontré ici. Partage des responsabilités pour rétablir la confiance, rééquilibrage économique pour faire progresser la justice, et puis tout ce qui a été conduit pour permettre de valoriser le patrimoine minier de la terre calédonienne, un sujet sur lequel nous devrons être extrêmement attentifs dans les semaines qui viennent et sur lequel nous serons à vos côtés. Alors, si la volonté politique ne fait pas défaut aux trois partenaires des accords dans les mois qui viennent, je n'ai pas de raison de douter de votre capacité à franchir avec succès la nouvelle étape qui est devant vous, qui est devant nous. Car c'est bien aussi d'une histoire commune, quel qu'en soit le destin un jour. Et cette histoire commune, elle ne peut être une manière d'être les ponts Pilate les uns par rapport aux autres. C'est ensemble, tous ensemble, que nous inspirons du préambule de l'accord de Nouméa et assumons toute notre histoire avec ces phases de douleur, ces phases aussi de lueur. Nous pourrons ainsi faire valoir ces valeurs
pour que vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et que vive la France. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, il est de tradition, quand un haut personnage comme vous nous honore de sa présence, qu'un cadeau lui soit offert. Et juste rapidement présenter ce petit présent à l'Assemblée, qui est constitué donc de sable, qui, chaque grain pris individuellement, ne représente rien. Par contre, tous ensemble, constitue de belles plages, et le mouvement de ces grains de sable font que les plages de Calédonie sont les plus belles du monde. Vous avez également un morceau de nautile, vous le voyez, coquillage, outre la représentation de la mer, bien sûr, c'est surtout une succession de spirales. La spirale, vous le savez, ça permet de s'élever tout en s'appuyant sur le passé. Et au milieu, vous avez un os de cerf qui représente la culture calédonienne, la chasse, la pêche, l'agriculture, l'élevage. Mais c'est un os de cerf qui est sculpté à la tradition mélanésienne, qui représente la réalité calédonienne. Voilà, j'espère que vous lui réserverez une place de choix dans votre bureau, Monsieur le Président du Sénat. Merci, Monsieur le Président du Congrès, pour ces trois symboles, à la fois la plage et cette spirale qui nous vient de la mer, pour dire que l'enjeu de la mer est un enjeu essentiel puisqu'il est l'enjeu de la vie. Et que c'est de là, j'allais dire, que se construisent des valeurs que nous pouvons partager autour du thème de la vie et en même temps s'élever. S'élever, c'est ce à quoi j'appelais, en rappelant cette formule du général de Gaulle il y a un instant, aller plutôt vers les hauteurs, c'est moins encombré. C'est le seul endroit, finalement, où on arrive à dominer ses peurs, ses angoisses, où on arrive à regarder l'avenir tous ensemble comme des premiers de cordée qui se retrouvent en haut pour marquer cet avenir. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous présenter, après tout le bien que j'ai dit du Sénat de la République, de vous remettre cette médaille d'or du Sénat, Monsieur le Président, gravée à cette intention. En dehors d'être le symbole d'une médaille, elle veut quoi marquer ? Marquer ici que le Sénat entend être à vos côtés, entend vous accompagner, dans le respect de ce que vous êtes. Nous ne sommes pas dans un système hiérarchique, mais dans un système de partage. Et en vous remettant cette médaille, je dois le dire que je le fais au nom de tous les sénateurs, quelle que soit leur sensibilité, parce que ce dossier que j'avais inscrit dans mon projet politique en me présentant à la présidence du Sénat, nul n'ignore qu'il est pour moi un enjeu essentiel. Car au-delà d'un enjeu territorial, de l'enjeu des Calédoniens, il y a une certaine conception que je me fais de la République. Merci. Merci, M. le Président. Merci bien. Je pense qu'on peut prendre quelques photos. Merci.